Prochainement dans Ici tout commence sur TF1, Tessier, Benjamin Baroche, découvre, après une gaffe d'Enzo, Aziz Diabaté, que sa fille va se fiancer. De retour à l'institut après avoir gagné le championnat de pâtisserie, il se confronte et pose un ultimatum à Louis. S'il se marie avec sa fille alors il expliquera à Charlène comment il a été impliqué pour évincer Tessier de l'institut et faire voler en éclats sa famille. Pour rappel, Louis avait collaboré avec la chef Cardonnet pour révéler des informations sur Tessier. Elle a utilisé cela à bon escient lors du concours régional de pâtisserie, au moment où Constance, Sabine Perrault, flirtait avec Zachary. Finalement, Tessier a gagné et a découvert le plan de Cardonne et de Louis. Il avait demandé à ce dernier de ne plus parler de mariage à sa fille en échange de son silence sur cette histoire. Louis sur le point de révéler la vérité à Charlène dans Ici tout commence sur TF1. Louis, Fabien Wolfrom, rentre chez lui en compagnie de Charlène, Paula Petrenko. Celle-ci est sur son nuage concernant ses fiançailles. Elle est en plein préparatif et souhaite organiser une fête intimiste avec ses amis proches au Doubla. À ce propos, Charlène demande à son copain s'il est toujours d'accord pour partir après la fête. Elle a repéré des endroits de rêve avec plage et cocotiers. Louis prend son courage à deux mains et s'apprête à faire une révélation à Charlène. Il la rassure sur ses sentiments et explique que la dernière chose qu'il souhaite c'est de lui faire du mal. Charlène s'interroge sur ses révélations. Alors qu'il évoque les fiançailles, Charlène pense qu'il veut les repousser. Louis lui assure que non, quand soudain la conversation est interrompue. Le cadeau symbolique de Claire, Louis s'enfonce. Claire, Catherine Marshall, rentre chez elle et affiche un large sourire en voyant Louis et Charlène. Cette dernière reçoit des mains de la mère de Louis un cadeau. Claire confie, c'est un petit cadeau, mais un grand symbole. En effet, il s'agit d'une bague qu'Auguste Armand, Francis Huster, a donnée à Claire lors de la naissance de Louis. Ce dernier est surpris et perd ses mots tandis que Charlène admire le bijou. Claire est très heureuse pour son fils et cela lui fait plaisir de savoir que son père participera d'une certaine manière au mariage de son fils. Charlène est touchée par ce geste et serre Claire dans ses bras. Louis semble perdu et s'enfonce, la vérité va être dure à révéler. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.